Shalom balinga mikati na Yesu. Shalom. Nakumisi penza nzambe. Je bénis l'Éternel Dieu. Oye tazama lamo. Parce qu'il est bien. Pesa chamiko bena na munoko. Oye tenzamba zama lamo. Azanzambo atonda bolingo. Dieu est bon, il est rempli d'amour. God is great, he is filled with love. Il est le Dieu qui est compatissant. He is the God with compassion. Il est bon. He is good. Bolingo na ezange bandele pezange suka. Azali nzambo asali mokiyoyo likolo pe na se pe biloko isokati na yango. Il a créé. Il est le Dieu qui nous donne le souffle de vie. He is the God who gives us the breath freely. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ. I say thanks to the Lord Jesus Christ. Celui qui est mort who died à notre place à la croix de Golgotha. At our place at the cross of Calvary. Aujourd'hui, si nous sommes nommés enfants de Dieu, today, if we are named children of God, c'est pour le grand travail qu'il a accompli à la croix de Golgotha. It's due to the great job that he has done on the cross of Calvary. Je dis merci au Saint-Esprit. I say thanks to the Holy Spirit. Parce que c'est lui qui est Dieu. Because he's God. C'est lui qui console nos cœurs. He is our comfort. Il nous donne la force. He gave us strength. Pour que. For. Le Saint-Esprit nous donne la force afin de marcher dans la sanctification. The Holy Spirit gives us strength to walk into sanctification. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle des choses cachées. And it's the Holy Spirit who reveals to us hidden things. Je dis merci au pasteur titulaire, le pasteur Nathanael Banza. I say thank you to the principal pastor, Pastor Nathanael Banza. Si lui n'était pas fidèle au Seigneur, if he was not faithful to the Lord, s'il n'avait pas l'obéissance à la parole de Dieu, if he did not obey to the word of God, si le Saint-Esprit ne lui avait pas donné la force, if the Holy Spirit did not give him strength, mais aujourd'hui je n'allais pas vivre, je n'allais pas me tenir devant vous. I won't be here today before you. Mais si je suis devant vous, but if I'm in front of you, c'est parce que grâce, comme le pasteur Banza s'est réveillé à 4 heures du matin, it's because Pastor Banza wake up at 4 a.m. pour nous nourrir de la parole de Dieu à 4h30, de 4h30 à 6h, to feed cette us, parole qui nous donne la vie. To feed us with the word of God. Merci, merci, pasteur Mireille. Je dis merci au pasteur Mireille Ngalula Banza. I thank the pastor Mireille Ngalula Banza pour cette grande révélation que Dieu lui a donnée. For this great revelation given by God. De la repentance. Of repentance. Et puis ça continue à s'élargir. And it's carry on becoming big. Vraiment que l'Éternel bénisse le couple pastoral Banza. Truly, may the Lord bless the couple pastoral Banza. Que l'Éternel le garde fidèle à lui. May the Lord keep them faithful to them. Qu'il leur donne une longue vie. May he grant them a long life. Pour ces grands travail énormes qu'ils sont en train de faire. For this great work that they are doing. Je n'oublie pas, je dis aussi merci au couple Gonda. I won't forget the couple Gonda pour ce grand travail qu'ils sont en train d'accomplir. For that great job work that they are doing. À 12h pour l'intercession. At 12 p.m. for the intercession. Maman Solange à 16h. Mommy Solange at 4 p.m. Aujourd'hui, pour que je me tienne devant vous pour témoigner. For me to stand here today to testify. Parce que j'étais connecté à l'intercession de 12h. Because I was connected to the intercession at 12. C'est pourquoi que Dieu les garde fidèles. That's why may the Lord grant them, may them be faithful to the Lord. Pour ce grand travail qu'ils sont en train de réaliser. For that great job that they are doing.
Je veux encourager quelqu'un concernant mon témoignage. I would like to encourage somebody regarding my testimony. Je vais me présenter. I'm going to present myself. Je m'appelle Maman Christine. I'm Mommy Christine. J'habite en Suisse. I live in Switzerland. Je suis mère de 4 enfants. I'm a mother of 4. Nous nous sommes mariés au niveau de la famille et au niveau de la commune. We got married in our family. Ça fait 22 ans. In the register. 20 years ago. 22. Mais le mariage de l'église, on n'a pas fait. But we didn't do the wedding in the church. Parce que le diable nous avait aveuglés. Because the devil blinded us. Moi, je priais dans l'église de réveil. I was praying in a revival church. Mon mari priait dans l'église des néo-apostoliques. And my husband was praying in another church. Moi, je voulais qu'on nous bénisse dans l'église de réveil. I wanted the revival church to bless our wedding. Mais lui, il a préféré dans leur église des néo-apostoliques. But he wanted to go into his church. Je voyais que si je partais à néo-apostolique, c'est comme si je reculais. Je suis déjà avancé dans l'église des réveils. I was realizing that if I went to his church, it would have been for me a withdrawal. Là, on s'était pas mis d'accord. Because I was on est resté comme ça sans la bénédiction nuptiale. So we disagreed and we did not have the blessing in the church. C'était une grosse erreur. That was a great mistake. Et par cette porte ouverte de manquer la bénédiction de Dieu dans notre foyer, so, le diable s'est installé. Through that open door, the devil came to install himself. Il a joué avec nous vraiment d'une manière terrible. He played with us in a terrible way. Pendant 22 ans. During 22 years. Pendant ces 22 ans. During those 22 years. On s'est supporté l'un à l'autre. We tried to support each other. Other. Mais deux ans passés, but 2 years ago, le combat s'est accentué. The battle became great. Comme le diable s'est installé dans notre foyer depuis longtemps à l'époque, as the devil was in our midst for a long time. Donc, je réalise maintenant, avec le discernement, que dans les 2 dernières années, il est venu maintenant officialiser ce qu'il avait déjà fait en coulisses. I realized that during those 2 years, I realized the devil was doing everything that he did before he put them forward. Nous sommes arrivés à un niveau où on ne se comprenait pas l'un et l'autre. We reached a level which we could not understand each other. Nous savons que même comme nous sommes mariés maintenant à l'église, le combat va continuer. We know that il y a toujours des combats dans le mariage. We know that even though we are married in a church, we still have some trials. Mais maintenant nous sommes affermis. But now we are trained. Nous sommes affermis, nous connaissons maintenant si le diable vient par là ou par là, nous allons le discerner que ça c'est le diable. We are trained and if he comes, he changes his way, we will have the discernment. Parce que l'aveuglement est tombé. Because the blindness fall down. On avait des incompréhensions, on ne se comprenait pas l'un et l'autre. It was not easy for us to understand each other. Si je lui dis quelque chose, non, non, il y a. If I say something, he was not able to understand me. Et ces derniers temps-là, mon mari, c'est quelqu'un qui est compréhensif. Mais comme on avait des combats, il devenait de plus en plus incompréhensif. My husband, he used to be a person who understands things, but during that time, it was difficult for us to understand beaucoup. Each other. I was very surprised. Ça m'étonnait. Les choses que moi j'ai trouvées anormales, I was lui trouvait ça normal. Because things that I thought was not normal, he thought it was normal. Le combat s'est vraiment accentué. And the battle became great.
Et le combat est descendu même dans la vie de nos enfants. And that battle even came in our children's life. Mais de son côté, je ne voyais aucune réaction pour chercher la solution. But I could not see on his side any reaction to find the solution. C'est là où j'ai vu que non, je dois me mettre debout. This is when I realized that I have to stand up. Je me suis dit que non, ça ce n'est pas normal. I said to myself, no, this is not normal. J'ai dialogué, on a dialogué avec mon mari. I spoke with him. J'ai dit, mais non, non, mon mari doit être vraiment dans l'aveuglement total. And I discerned that he was blinded. Je ne vois pas comment faire. I didn't know how, what to do. On est resté dans cet état-là horrible toute une année. We stayed in that state, horrible state for a whole year. Et j'ai pris la décision d'aller trouver un avocat pour parler, lui en parler. And I took the decision to go to speak to a lawyer. Et puis on nous a conseillé par l'avocat, non? Ton mari doit aller un peu en dehors de la maison pour qu'il réfléchisse. And the lawyer advised us that my husband should leave the house and go somewhere else. Et mon mari est sorti de la maison, l'a fait sortir. To reflect. And my husband left the home. Là où il était parti, so where he went, il est allé rencontrer un grand combat. He faces a great battle. Le cheville de son pied gonflé comme ça sans raison. He had his foot swollen. Mais tu étais ici, tu étais au moins un peu mieux. Mais là, tu es parti seul là-bas. Tu reviens dans cet état. Le combat s'est accentué. And I said to him, when you were here, you were better. Now it's become worse. Je commençais à discerner que non, c'était pas normal. I started to discern that it was not normal. On l'a examiné. On a fait des radios pour chercher la raison pour laquelle les pieds étaient gonflés. The reason why he had some problem with his foot. Maintenant, on a mis les plâtres sur son pied. He was given il a commencé to hold à marcher avec foot. Les béquilles. He started to walk with the sticks. Je lui ai dit non, ça c'est horrible, reviens à la maison. I said no, this is horrible, come back home. Il est revenu à la maison. He came back home. J'ai annulé le processus de divorce. I canceled the process of divorce. On a commencé maintenant à prier. And we started to pray. J'ai cherché les serviteurs de Dieu. I was seeking for servants of God. Il y a quelque chose qui m'étonne. Parmi les serviteurs de Dieu que j'avais rencontrés à l'époque, there's something which surprised me in the midst of the servant of God that I met before. Il y a parmi l'un qui nous avait dit entrer en prière de une semaine. One of them told us to pray for a week. Et puis après, je ferai votre délivrance. And after that, he will do the deliverance. Mais au milieu de la prière, but in the midst of the prayer, j'ai reçu des révélations, je lui en parlais. I received some revelation, I spoke to him. Mais il ne me donnait pas de discernement. Il écoutait seulement et il s'est taisé. He heard that, but he did not say anything. Un jour, je lui ai dit que le Saint-Esprit me disait que j'avais des mauvais compagnies. One day, I said to him that the Holy Spirit revealed to me that I had il m'a rien dit. Wicked friends. Il m'a dit, on va achever la prière et puis on priera. He said, okay, we are going to finish that prayer. Maintenant, le jour J où il devait prier pour nous, so on that day that the man of God was supposed to pray for us, prier, when he started praying, j'ai commencé à circuler, courir dans toute la maison. To run all over the place. La façon dont je courais dans toute la maison. The way I was running all over the place. Je faisais ce geste-là et mon mari me suivait derrière partout où je partais. I was doing kaka 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 and my husband was following me everywhere. Et à la fin, and at the end, il a parlé avec nous deux.
he spoke, the man of God spoke with both of us. Il m'a dit, vraiment, votre combat est énorme. And he said to me, truly, your battle is great. Mais moi, je refuse que ton mariage soit brisé. But I refuse your marriage to be broken. On s'est limité comme ça. And we just left it like that. J'étais au bout. I was tired. À propos de ce que l'homme de Dieu avait pris comme décision. I was tired about the decision of the man of God. Maintenant, quand mon mari est retourné à la maison, le combat est descendu même dans la vie des enfants. So when my husband came back home, les enfants ont commencé à tomber malades. The battle was according with our children. Les démons, les esprits mauvais ont suivi les enfants jusqu'à l'école. Demons and evil spirits followed my children. Même at là school, où les enfants font les sports de foot. Even in the sport football. Des fois l'enfant reçoit un coup au niveau de la cuisse. Sometimes they were hit in the leg. Des fois l'enfant reçoit les coups au poignet gauche. Sometimes they were hit in the hand. Des fois, il reçoit les coups au poignet droit. Sometimes in the right hand. Et l'autre, il a joué au foot. Maintenant, les sang commence à couler. And he was bleeding because he played football. On part à l'hôpital. On we fait, on met des pingles. And j'ai fait asseoir mon mari. I caused my husband to sit down. J'ai dit à mon mari, tu ne trouves pas que c'est pas normal? Mais mon mari ne disait rien. I asked him if he could think about that situation. J'ai commencé à regretter, mais pourquoi je l'ai fait retourner à la maison? But he was not saying anything, and I regret for him to come. J'ai vu que c'est lui qui était le porte-malheur dans la maison. I thought that he was the one who was carrying the curse. Parce qu'il ne disait rien. Because he was not saying anything. J'ai dit, mais ça c'est pas normal. And I was saying that that's not normal. Je lui ai dit, si tu vas continuer à garder ton silence là, c'est mieux que tu sors de la maison. I said to him, if you want to keep quiet, it's better for you to leave the house. Je suis retourné encore dans les dossiers de divorce. So I went back for to do the process of divorce. Et après, and after, et puis mon mari a découvert Adassa. And my husband discovered Adassa. J'ai remarqué qu'il commençait à prier à 4h30. I realized that he was praying at 4 a.m. À 20h, même quand il revenait du travail. At 8 o'clock, even when he was coming back from work. J'ai vu qu'il a fait les contrats de l'internet. And I saw that he put. Il a pris un abonnement pour l'internet. Internet at home. Il put quand, comme parce que quand il finit le travail, même en cours de route, qu'il soit déjà directement connecté à la prière d'Ada, c'est que tu peux acclamer le Seigneur pour ça. To be connected when he leaves his job. Là, c'est un papa qui se réveille maintenant. This is about a man who's waking up now. Mais comment moi j'ai découvert ça? J'ai remarqué qu'il y avait une facture très élevée de l'abonnement. How did I realize that? I realized that the je lui ai posé la question. The bills were high. Mon mari m'a dit que non, j'ai pris un abonnement parce que j'ai pris des prières à 20h. Maintenant, maman Christine lui dit, même dans les trams en cours de route. And he answered me because I took an internet connection and she said even in the tram. Quand il arrive à la maison, when he comes home, comme lui dormait au salon, because he was sleeping in the living room, il est là, il met les écouteurs et puis devant l'ordinateur. He was in front of the computer with earrings. Il commence à prier. And starting praying. Les enfants ne savaient pas que papa priait. The children didn't know that their dad was praying. Praise the Lord. Les enfants disent aller à maman, mais comment papa commence à parler seul là-bas au salon avec les écouteurs
aux oreilles. And the children said to the mom, how can dad speak alone? J'ai dit aux enfants, laissez-le, lui-même il sait ce qu'il est en train de faire. I said to the children, leave him, he knows what he's doing. Quand il revient de travail, on voit sa bouche qui parle, il parle seul avec les écouteurs. Mais normalement, lui, il n'est pas comme ça. When he comes from work, he speaks alone and he has the earrings. Maintenant, les enfants qui disent, allez, maman, maman, hey, ça, c'est pas normal, hein? And the children said to the mother, oh, this is not normal. Maintenant, j'ai dit aux enfants, votre papa est en train de prier. So I explained to them that your dad is praying. Mais quel genre de prière avec les écouteurs aux oreilles? But which kind of prayer with earrings in his ears? Praise the Lord! Mama Solange Nzamba Pambolo, au côté ça qui biso na kati ya Star TV. Tala lelo ba résultat na mbono kangasuki. Maintenant, maman Christine a dit, je suis allée maintenant moi aussi en cachette hein, pour aller vérifier mais quel genre de prière que lui fait sur internet. So I went to c'est check. Là où je suis allée voir Adassa. Which kind of prayer he was doing and I saw Adassa. Je suis allée aussi moi aussi dans la chambre seule. And I went j'ai into my bedroom. Adassa sur internet. It, j'ai vu aussi Adassa. And I saw also Adassa. Moi aussi j'ai commencé à entrer Adassa à ma façon. So myself I started to pray online. Je ne voulais pas lui dire. I didn't want to tell him. Je mettais le réveil à 80. I put the alarm clock at 4:20 a.m. Praise the Lord. Adassa moté manzambe. Maintenant, quand je mets le réveil à 80, je sors pour aller me soulager. Je jette les yeux au salon comme ça. Je remarque que lui aussi, il a déjà allumé la lumière. Il s'apprête pour entrer en ligne. So now when I put the alarm clock at 4:20, I go to the toilet quickly and I check in the living room and I see that he's already ready to get pray. Lui, il prie au salon. Moi aussi, je prie dans la chambre. He was praying in the living room and I was praying in my bedroom. Amen. Je bénis l'Éternel parce que j'ai vu l'importance de la prière de 4h30, de 12h à l'intercession, de 16h à l'intercession et le deuxième culte le soir à 20h. I bless the Lord because I saw the importance of praying at 4, 12 and 4 p.m. Vous allez prier avec moi. Lorsque nous entrons en prière là, quand le pasteur Nathanael dit vous allez répéter cette prière après moi. When we pray online and Pastor Nathanael say we are going to pray surtout dans la prière de renoncement. With the prayer of renouncing. Quand on priait là, on faisait des prières de renoncement. Oh, Dieu est en train de nous visiter. When we were praying and we were renouncing. On a commencé à cracher, God à started vomir. To visit us. We started to throw up. Oh, c'est toute la délivrance qui était en train de s'opérer. Oh, it was all the deliverance which was happening. Moi, j'ai prié Ming, je priais souvent par les portables. I was using my mobile phone to pray. Donc, j'entrais par téléphone et j'ai écouté un jour, Maman Mireille disait que tu peux aller aussi à la radio. And I heard Maman Mireille say that you can go on the radio. Un jour, j'ai pris le numéro de téléphone, j'ai téléphoné, je suis tombée sur Papa Ngonda. One day, I called Papa Ngonda. Je ne savais pas que c'était Papa Ngonda parce qu'il s'est présenté en disant que moi je m'appelle Papa Emmanuel. I didn't know that it was him because he presented himself as Emmanuel.
Maintenant, quand je lui ai posé la question, il m'a directement, maman, papa Ngonda m'a posé la question, est-ce que tu pries déjà avec nous? And he asked me if I was praying with them already. Maintenant, je dis que non, je cherche pour que je sois connecté avec vous en ligne de prière. Alors, papa Ngonda lui a donné toutes les explications possibles. So I replied that I don't know any. Papa Ngonda gave me all the details necessary for me to be connected online. C'est par les explications de papa Ngonda que j'ai compris. Ah, il y a la radio, on fait ça. Il y a les téléphones, on fait ça pour se connecter. It's through Papa Ngonda that I understood that we have the line and the connection on the radio. Je recule un peu, comme j'avais retourné vers les... j'ai réintroduit le processus de divorce. On nous a convoqués pour qu'on puisse passer au tribunal en janvier 2015. As I started again the process of divorce, we were called to là come maintenant, again quand on nous a convoqués, nous étions déjà connectés en ligne de Adassa pour la prière en ligne. In 2002, and they called us, but we were already praying. Maintenant, on pose la question à mon mari. Ta femme, avant, elle t'avait pardonné, elle a dit que tu retournes à la maison. Maintenant, toi, en tant qu'homme de ton côté, quel est l'effort que tu as fourni pour améliorer, chercher la solution? Papa Miguel a dit que non, j'ai cherché un conseiller conjugal, thérapie de conseiller conjugal. And they asked my husband, your wife forgave you previously, but you, on your side, which kind of effort have you done to make the situation become better? Il est parti à cette thérapie-là, on lui a dit pour vraiment t'aider, nous devons aussi écouter ta femme afin de comprendre quel est le problème que vous avez. He went through a therapy so that they could be able to help us. Moi aussi j'étais parti, j'ai expliqué. So I joined him through that therapy and explained everything. Et puis ils lui ont dit que nous avions vu maintenant où se trouvent les problèmes, on va vous aider. And they found out where the problem was and they were ready to help us. Là, à l'époque, il partait seul à la thérapie. Firstly, he went alone. Maintenant, nous sommes venus au mois de juin à Adassa Meeting de 2015. So we came in Adassa Meeting 2015. Mon mari voulait venir seul avec deux enfants. My husband wanted to come alone with two children. Maintenant, un enfant ne pouvait pas venir à cause de l'école parce qu'il avait l'examen. One of them could not come because he had an exam. Je lui ai dit à la place de l'enfant, mets-moi, on va aller. So I said to him, instead of the child, I will go for him. C'est comme ça que nous étions venus à Adassa Meeting. This is how we came to Adassa Meeting. C'était pour la toute première fois que j'ai vu Maman Mireille et le pasteur Nathaniel Banza. Je n'avais jamais parlé avec eux au téléphone. It was the first time I met Pastor Banza and Maman Mireille. Vraiment, je bénis l'Éternel parce que les choses que je suis venu trouver dans Adassa. Truly, I bless the Lord because of the things that I found in Adassa. Le premier souci que les hommes de Dieu avaient nous concernant,
The first trouble that men of God had, c'est la sanctification. About us was about sanctification. Ils voulaient savoir si notre vie est en ordre. They wanted to know if our lives were in order. On leur avait expliqué. And we explained everything to them. Ils nous ont conseillé. They gave us some advices. Et ils nous ont dit continuez toujours entrer en ligne en prière. And they encouraged us to carry on praying online. Quand nous sommes rentrés chez nous en Suisse à la maison après Adassa meeting, when we went back home in Switzerland, j'étais connecté à l'une de veillées des samedis. I was connected to one of the night visions on Saturday. Et puis, par là, j'ai pris la décision, si je suis libre, je dois entrer à l'intercession de midi. And I took the decision to pray at noon. Et la semaine là, comme j'étais libre, je me suis dit, je dois entrer à l'intercession. And because I was free during that day, I j'étais connecté lundi, into the mardi. Session Monday, Tuesday, and Wednesday. Lundi, mardi, mercredi, j'ai prié seul. Mais jeudi, mon collègue n'a pas été en dehors. Jeudi, ce jour-là, mon mari est venu nous visiter. But on Thursday, my husband came to visit us. À 12h, le bimbo qui est prié. À 12h, il s'est dit non, je dois aller prier. At 12, he said no, I have to go to pray. Je lui ai dit que moi aussi, je vais prier. And I said to him, I will pray also with you. Nous avions prié ensemble ce jour-là. We prayed together on that day. Ce jour-là, j'étais à genoux. On d'habitude, that day, je suis assise. I was on my knees. I used to sit down when I was praying. Quand on a commencé à bénir l'Éternel, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. When we started to bless God the Father, the Son and the Holy Spirit. Quand on a fini cette étape là. When we finished that state. Quand on était entré dans l'adoration. And we entered into the worship. J'ai commencé à sentir mon corps commencer à changer. I started to feel that my body was changing. Il y avait des voix qui sortaient de ma bouche, ce n'était plus moi. I could speak with different voices. Les voix ont commencé à crier très fort. The voices started to shout loudly. Et c'était la toute première fois que mon mari assiste à de tels cinémas. It was the first time that my husband was seeing things like that. Il y avait un démon parmi eux qui a commencé à parler. A demon in the midst started to speak. Le démon s'est identifié. And reveal himself. Sa mission dans ma vie. His mission in my life. Dans notre foyer. In our household. Je veux dire merci au groupe de louanges que Dieu le bénisse. I want to thank the musical group. May God bless you. Quand maman Mireille dit groupe de louanges, prenez les micros pour prier au micro afin de soutenir ceux qui sont à la radio. When Mama Mireille asked the musical group to pray via the microphone. Ce jour-là, les démons là a menacé mon mari. On that day, that demon was facing my husband. Tant aussi si adoration. Quand on a fini l'adoration. When we finished the worship. Tant au côté une étape il y a consenga pardon. Quand nous avions commencé à demander pardon. When we started to ask for forgiveness. Et c'était l'étape maintenant de plaider le sang de Jésus-Christ. It was the state to plead the blood of Jesus Christ. C'est là où les démons s'est manifesté encore plus. When the demon manifesting himself. J'ai senti la voix de mon mari. I heard the voice of my husband became very low. Maintenant les voix qui s'attendaient à la radio. Now the voices through the radio. Comme c'était la radio, on ne pouvait pas les déranger. Ba voix na ya radio moto demo amona ki moenta lo bibozela na bima po voix ambailange kiti. Mais la radio qui t'a quitté. Maintenant, la voix de mon mari s'est affaiblie, mais les voix qui priaient à la radio, comme on écoutait ça, maintenant les démons ne pouvaient plus supporter ça. Les démons commençaient à dire, je vais partir.
C'est là où il disait que je sors, je vais partir avec les choses avec lesquelles je suis venu m'installer dans sa vie. Because the voice of my husband became low and the voices on the radio became higher, so the demons got angry and he wanted to leave my body, and he said that he will leave with everything that he brought in. Et quand la délivrance était finie, and when the deliverance was finished, nous deux, maman Christine, tant où la délivrance est zéro salam, zéro salam, zéro salam, zéro salam, zéro salam, zéro salam, en même temps. Donc, tant que délivrance est zéro salam, zéro salam, zéro salam, donc il n'y a pas un abus à bas, donc, pendant la délivrance là, je vomissais la toux là très très aiguë. En même temps, je pissais, donc j'étais mouillé tout le corps. During that deliverance, I was vomiting, I was coughing, and I urinated on myself, and I was wet. J'ai compris quand l'autre pasteur l'a prié pour nous en ligne. Les témoins là se manifestaient, j'ai circulé dans toute la maison, il y avait la résistance. Mais maintenant dans Adassa, j'ai trouvé la délivrance totale parce que j'ai jeté les pantalons, les maquillages, j'ai jeté les faux cheveux, tous les objets du diable. C'est maintenant que je suis totalement délivré. I'm now truly delivered because I threw away all the items of the devil, and I understood when the other pastor was praying for me over the phone, I was running all over the place because I still have the devil item on me, and when I threw them away, I got the true deliverance. Somebody can say, praise the Lord! Praise the Lord! Nous sommes sous une gloire de Dieu. Beloved, we are under a glory of God. Ça, c'est très grand. This is very great. Que les couples, that the couple, les célibataires, and singles, les adolescents, and youth, soyez attentifs. Be attentive. Ce témoignage careful. Nous introduit dans les services de délivrance qu'on va faire maintenant. This testimony is leading us into le the service of Dieu qui a délivré ce couple. That we are going to do now. The Lord God will deliver est en train de délivrer tous les couples qui sont dans la salle. He is delivering all the et les célibataires who are in the qui sont dans la salle. And the singles et who are in the les room. Familles qui sont and dans all la the families salle. Who are in the les room. Les enfants qui sont children victimes. Who are here. Comme leurs enfants étaient victimes. As comme cette famille est délivrée, as this family is Dieu delivered, est en train de nous délivrer. God is delivering praise us. The Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Tu as vu le soleil était sorti hier. Did you see the sun tu out yesterday? Tu peux douter, tu peux bouder. You can doubt, mais you le can soleil be angry, était sorti hier. We had sun et aujourd'hui, yesterday. Dieu nous a donné un beau climat. And today we had a ce good sont weather. Des signes que Dieu est dans cette affaire. It's a sign that God is praise into that the affair. Lord. Praise the Lord. Continue, Mama Christine. Carry on, Mommy Christine. Tant au monde endroit dans mon équipe photo qu'un de cocotte va s'en sur la thérapie. Quand j'ai vu maintenant la délivrance, when I saw the deliverance, j'ai dit on doit aller arrêter des séances de thérapie. And I said we should stop those sequence of therapies. Tant au qu'une séance va tout ni biso. Quand nous sommes partis à la séance, on nous a posé la question. We, when we went to the therapy, they asked us a question. Et ils ont voulu chercher pourquoi vous prenez la décision de arrêter la thérapie. They wanted to know why we decided to stop that therapy.
Dites-nous les points positifs et négatifs. Tell us the positive and negative points. Comme on a compris que c'était démoniaque, as we understood, on n'avait vraiment pas des explications solides à leur donner. Due to demons, so we didn't have any argument to give to them. On leur a essayé de dire que Dieu nous a visités. We tried to tell them that God has visited us. On voulait pas entrer dans la profondeur parce qu'on disait que ils vont pas nous comprendre. We didn't want to give much details, but because we knew that they will not be able to understand us. Je vais faire comprendre à quelqu'un, toi qui es en train de vivre des incompréhensions dans ton foyer. I want somebody tu to penses understand. Que c'est ton partenaire, ce n'est pas ton partenaire, c'est le diable as you have qui some est en train de faire ces choses-là. In your household, in your marriage, it's not your husband, it's the devil who's doing those things. C'est pourquoi je suis venu glorifier la grandeur de Dieu. That's why I came to glorify the greatness of God. Si ce n'était pas le Dieu d'Adassa, if he was not the God of Adassa, on allait divorcer définitivement. I would have divorced forever. Comme Dieu est rempli d'amour, because God is filled with love. Il a permis toutes ces choses-là. He allowed us to live those things. Mais c'était ce jour-là, il a fait éclater sa gloire dans nos vies. On that day, he manifested his glory in our lives. C'est pourquoi j'ai dit que je veux glorifier la grandeur de Dieu. That's why I said I want to glorify the greatness of God. Parce que je sais que beaucoup de couples sont en train de traverser ce genre de problèmes que nous on a connus. That many couples are going through the trouble that we had. Mais Dieu est le Dieu compatissant, but Dieu God d'amour. Is a God of mercy and love. Il n'agit pas très tôt ni très tard, mais he à l'heure. He is never too late or too early. Mais il fait à son temps. But he does things at his own time. Celui qui est en train de traverser ce genre de situation whoever is going through sorti, to those situations that ne we can't out, l'espoir. Do not lose courage. L'Éternel Dieu va se manifester. The Lord God will manifest si himself. Si il retient ces trois choses que le pasteur Nathanael Banza nous if prêche, keep the three things that Pastor Nathanael pour que Dieu agisse, for God to act, il faut avoir la foi, you need to have faith, la sanctification, live in holiness, et la persévérance. And persevere. C'est pourquoi j'ai béni la grandeur de that's Dieu. That's why I bless the greatness of God. C'est très glorieux. Acclame encore bien pendant it's que Papa Miguel prend le micro. Papa Miguel prend le micro pour vous dire aussi un mot. J'ai béni d'abord le Dieu et le Père. Na pamboli nzambe tata. Le Dieu et le Fils. Na pamboli nzambe mwana. J'ai béni le Dieu et le Saint-Esprit. Na pamboli nzambe molimo santo. J'ai béni vraiment dans mon cœur. Na pamboli pena na motema na ngai couple pastoral Banza. Et puis le couple Ngonda. Pe couple Ngonda. I bless God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. I bless the pastoral couple. I bless also the couple of Daddy Ngonda. Moi je serai bref. I'm going to be short. Franchement comme maman elle a dit. Because as Mommy said, I heard, you heard? En écoutant, on rigole, hein? While listening, we are laughing, but it was really difficult and painful. We suffered for that. Donc, actuellement, nous sommes déjà affermis. Now we are donc, trained, nous savons déjà, nous sommes conscients. And we are conscious. Donc, même, nord au sud, au ouest, so even if he comes from the north, south or west, we know from the beginning. Donc, franchement, je n'ai pas beaucoup à dire. Truly, I don't have much to say. Parce que je sais que Dieu est grand. Because I know that God Dieu is great. God is great. Moi, j'ai béni le Seigneur. I bless the Lord.
Je n'ai pas honte de témoigner. I'm not ashamed to give a testimony. C'est la vérité que nous avions vécu. It's the truth that we went through. Satan a partout. Vous savez que le diable il détruit partout là. You know that the devil is destroying everything everywhere. Mais Dieu, but God, il est Dieu. He's God. Il a laissé le temps à Satan. He gave time to Satan. Parce que chez notre Dieu, because with our God, chaque chose a son temps comme la Bible nous le dit. Each thing has its own time as the Bible is saying. Le Seigneur avait permis que nous puissions vivre ces choses. The Lord allowed us to live those things. Mais, but aujourd'hui, today, c'est une grande bénédiction pour nous. It's a great blessing for us. Nous avons découvert. We discovered. La source de tous ces malheurs. The foundation of all those troubles. J'ai béni le peuple de Dieu. And I bless the people of God. Comme maman a dit. As mommy said. Beaucoup traversent ce genre de situation. Many are going through that situation, the same situation. Ne désespérez pas. But do not lose courage. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Pour qu'on puisse bénir leur mariage, on avait besoin de la lettre officielle for us to be able de to l'annulation des divorces. We needed to have that letter. Voici which was about la lettre officielle. Canceling the divorce. Ils ont amené process. Ça pas aujourd'hui, pas hier. They did not mais quelques send it temps today, passés, comme ils viennent à la veillée today, des samedis. But few times ago, because regardez les choses to watch que Dieu fait. Night vigil. Est-ce que les Saturday, quatre enfants des couples, papa Miguel et maman Christina, venez vite. Can the four children venez come vite. Forward? Parce qu'on va dire que mais les enfants on les a pas vus. Come forward because they might say venez that we haven't vite, oh, seen the children. Ils sont bien habillés. Acclamons come, les come, Seigneurs. They are very well dressed. Acclamons les Seigneurs. Venez ici. Let's clap to the Lord. Come. Venez ici. Venez come ici. Forward. Come here. Vous pouvez remarquer comment ils étaient attaqués. Can we realize how they were maintenant, attacked? Le Seigneur a restauré. The Lord has restored. Regardez des beaux enfants comme ça. Can you see how those beautiful children est-ce que tu like peux this? Te mettre déjà debout maintenant? Can you stand up now? De beaux enfants comme ça. Beautiful children si les them, parents n'étaient plus ensemble. Can you imagine if the parents le were diable not together allait anymore, adopter ces enfants. The devil would have adopted them. Parce que ça allait devenir oh, un week-end chez les papas. Because it was going to et be one weekend to the dad and two weekends ça to the mother. Les enfants. It causes troubles to the children. Mais aujourd'hui, but today, papa et maman mariés. Mom and dad are married. Non seulement ça s'est arrêté au niveau de la famille. Vous avez vu qu'ils sont mariés à l'église. They saw that they were married at maintenant, church. Maintenant, la bénédiction couvre cette famille. Now the blessing covers that family. Et surtout qu'ils ont eux-mêmes demandé de témoigner. Especially because they asked to give a testimony. C'est là où ils ont entêté Dieu comme Anna. This is when they challenged God as Anna. Anna est allée témoigner. Anna went to testify. Mais quand tu témoignes, my beloved, when you give a testimony, tu entêtes Dieu. You cause God to have the credit Dieu upon est you. Obligé de te protéger. God is obliged to protect pour you. Garder cette gloire. To keep that glory. Dieu est obligé de te bénir encore. God is obliged to bless pour you garder more cette gloire. To keep that glory. On peut acclamer le Seigneur can pendant qu'il retourne. While they are going back to sit down. Pendant qu'il retourne. While they are going back to sit down.